Bon les amis, let's go ouvrir vos choix icônes. Let's go assassiner vos comptes en espérant au moins choper quelques petits wins. Parce que généralement quand on va ouvrir vos packs, enfin quand on ouvre vos choix icônes, vos choix héros sur vos comptes, généralement c'est jamais bon signe. Là on est sur le compte de Nuzri. Ouais, Nuzri ou Vitas Aimbot. Y'en a, ils ont bien réussi leur totique, je pense. Acheter Cole en rouge, 470 matchs. Ok. En vrai, t'as quand même une belle équipe. Hein. À la place d'en Henri régulière, si tu peux avoir un autre bon joueur. Parce que l'association devant Cantona, Messi, c'est top. Moi j'aime beaucoup. Je pense que niveau complémentarité, tu dois être bien allé, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, les frérots. Let's go. Et dites-nous dans les commentaires si vous avez du lourd. Et ben écoute, là, tu vois, mon frérot, à la place d'un tireur Henri régulière, est-ce que Drogba, les gars, ça se joue? Pour moi, oui. Pour moi, oui. À la place d'un Henri fulgurance, je te dirais non. Là, par contre, je te dis oui. C'est que la vérité, mon frère, c'est pas mauvais, Drogba. Il est vraiment pas mauvais. Il est très très bon, Drogba. En plus, avec ce playstyle là, tu vas gratter un nombre de ballons de la tête. Ça va être assez impressionnant. Vous trouvez ça bizarre ou pas, les gars? On est sur un deuxième compte de ce soir. Déjà un deux Messi Totti, mais deux Messi Totti. Mais où est-ce que vous les avez eu, les gars, les Messi Totti? Ah, j'avoue. Moi, je. C'était dans quel pack? C'était un pack de la boutique garantie, non? Comment vous avez fait, les frères? Deux comptes, deux Messi Totti? Ah ouais? Y'en a qui ont de la chance, Vincent. C'est chaud, hein. Allez, bon courage, mon ami. Bro! Ah, peut-être que Lodrip il veut concurrencer ton Messi Totti, je crois. Jamie Vardy. Je crois qu'on était déjà sur ce compte du frérot là. Ouais, il me dit quelque chose de Jamie Vardy rouge. C'est une équipe Leicester, non? Ouais, Lulu Sucru, ouais, c'est un fan de Leicester. Troisième compte, troisième Messi Totti, les gars. Ouais. Non mais les gars, mais où sont... Où est-ce que... Les gars, comment c'est possible fait pour avoir autant de Messi Totti? Dites-nous, les gars. Dites-le nous, les gars. Trois comptes, trois Messi Totti, mais dites-nous, les frères. Dites-le nous, les amis. Waouh. Waouh. Ça se trouve, il est vendable, mais je pense. Ça se trouve, il est vendable. Attends, là, ça marche pas. Attends, je crois que c'est le chef. Bah, t'es Matos, je comprends pas là. Attends, ouais. Le choix, il a pop comme ça, j'ai rien compris. C'est une énorme victoire, chef. Par contre, waouh. Les gars, on aura fait 5 comptes pour le moment, 4 Messi Totti. Mais ils ont vraiment flingué le jeu. Désolé, mon petit prince, désolé, le bebe. Ouf, il a pas Messi Totti, ouf. Ouf. Oh. Ah, Putelas Totti. Ah, vraiment, après c'est de la chance, Putelas. Pour le coup, c'est vraiment pas beaucoup de chance là. Avec du recul, les gars, vous préférez avoir quoi, Putelas Totti ou Messi Totti? Messi Totti comme tout le monde ou Putelas? Roberto Carlos, je te dirais. Ouais. Là, mon frérot, waouh, waouh, waouh. Avec un nom d'équipe aussi détestable que ça en plus. Laisse-moi te paquer du lourd. Mais j'imagine même pas, les gars, les cartes TOTS, la moitié des TOTS vont même pas rentrer dans les équipes des gens. Avec des équipes comme ça. Les TOTS, 95% des TOTS vont même pas rentrer dans vos équipes, les gars. Bah, dans cette équipe là, non, je pense pas. Même les choix icônes, il y a qui pour rentrer? Ah, ça, je reconnais en fan du V. Aucune starlette, et là, on est en plein dedans. Oh là, avec Bobby Charlton, carte rouge. Par contre, chef. Waouh, Liam, il y a trop un truc, Bobby Charlton, carte rouge. Roberto Carlos de base, 920 000. Parce que t'as pas beaucoup de latéral gauche qui sont monstrueux. C'est pas le centurion, mon prof. Il peut avoir des centurions là ou pas? Pourquoi ils mettent pas de centurion dans ce choix? Il y a trop de bonnes icônes centurion, c'est ça? Faudrait calculer, les gars, à la fin, combien de Messi Totti on a vu sur les comptes. Ok, tu viens d'acheter William. Je pense que t'es un fan de Chelsea en fait. Je pense que ouais, je... Xavi Alonso. Ok, belle petite équipe quand même celle-là. Let's go, mon frère, au jeu de pack in win. T'as pratiquement 10 000 XP. T'as pas arrêté de jouer là. Hein. 10 000 XP déjà, c'est beaucoup. Botragueño au Future Star, non pas Future Star, en Future V des double 5 qui monte dans le train. Vous savez les gars, moi Eusebio il est même pas titulaire et de loin. Bon courage mon gars. Pas mauvais hein. Vous prendrez qui les gars? Moi je prendrais Puskas perso. Je prendrais Puskas parce que peut-être en sortie de banc il ferait peut-être plus de différence. Comment tu fais l'évolution de DG de Man City là? Sergio Gomez. Allez. Ouais les gars, je vous déconseillerais trop de faire ce... Enfin je vous le conseillerais pas ce choix là. Belle petite équipe hein. Lodrup, c'est pas si mauvais, mon ami. À la limite, Lodrup, je sais même plus le taquet en DD, mais Lodrup, ça peut être titulaire. Smith Rain Tenter, ok. Jason part toujours. Oh, tu l'as. Eh, chef, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que t'as encore. Que t'as joué plus de 700 matchs avec cette carte-là. Sache-le que Park Ji-sung, moi, ça reste toujours. Ramirez de base. Au milieu de terrain, il a un peu les mains sur les hanches, non? Non, je pense pas que ça sera Mbappé le potem. Après, tant mieux s'il y est, comme ça, moi, je vais pouvoir mettre mes footballs quelque part, mais ça m'étonnerait. Bon courage, mon frérot. Ça, c'est les résumés, les gars. Messi, Vieira, Salah. Eh, c'est une belle équipe, ça, pour le coup. Mon oh, t'as dû avoir rien à toi dans le choix cette semaine. Rijkaard, t'as fait combien de matchs avec? 24, okay. Aussi. Ça, c'est une équipe super bien équilibrée, je trouve. Ouais. La défense, elle est mitard, franchement, rien à dire. Et d'ailleurs, les gars, pour votre information, si vous le saviez pas, Cannavaro SBC, c'est autour des 372 000 crédits. Ça, Rijkaard, il coûte 260 000 et Cannavaro, ok. Donc, Cannavaro coûte 80 000 crédits en plus comparé à Rijkaard. Donc, si vous devez faire le comparatif, Rijkaard, en termes de peut-être de prix et de polyvalence, c'est peut-être meilleur pour lui. Ouais, faut voir, faudrait voir ça. Bon courage, mon ami. J'avais un autre... Il tombe, hein, par contre, ce soir. Ah, il tombe pas mal. Hein. La défense centrale de Chibre. Compagnie, si tu peux, mais compagnie UCL, carte rouge, mon frérot. Une des cartes, pour moi, l'une des meilleures cartes en rouge. Oh.
C'est le joueur en plus de la fin de saison, ça. Ouais. Oh la vache. Pratiquement 1700 matchs avec Carlos Alberto. Ah, je veux bien savoir, tu es dans quel SBC? Parce que pour avoir 1700 matchs avec lui, peut-être que tu l'as même packé durant les premiers jours. Ah, t'as dû le packer dans les premiers jours du jeu. Hein. C'est vraiment un défenseur dès que j'ai dû. Enfin, je vais toujours attaquer de l'autre côté dès que je le vois. Moi, ça, la Winter? Je l'affronte très rarement, lui. Hein. Bon courage, my goat. Allez. Ah, le meilleur goal du jeu. Beaucoup de demandes pour vous faire assassiner, les gars, pour vous assassiner vos choix, on est en plein dedans là. C'est qui lui? Bunker, faible moyen, 5 étoiles de moyen pied. C'est qu'en vrai. Ok, en tant que 6, ok, mais vraiment, au niveau du tir, au niveau même. Ouais, après, au niveau de la passe, c'est correct. 95 quand même. Hein. Bon faudeur, ça, je reconnais. Ah, c'est vrai que t'as les choix 85 plus, je l'ai pas fait moi hier, celui-ci. Bah, prends le boost hein, en vrai. Ouais, je vais te prendre le boost, mon frérot. On espère du lourd, mon frérot. Ouf. AG, brésilien, oui. Ronaldinho. Non. Honnêtement les frérots, la carte de Gullit en rouge c'est comment? C'est une victoire, on est d'accord. Mais du coup tu fais jouer qui DC? Est-ce que tu fais jouer Mataus DC? Bah tu sais que Mataus DC c'est pas mauvais du tout hein. Ah je sais pas, moi je le préfère au milieu de terrain quand même. Mais que 72 de détente, 1m74, je trouve ça vraiment petit. C'est que la carte rouge là de Gullit c'est... Bon, on en voit très peu hein. Mais t'aimes bien toi celle-là? Ah j'aime bien, j'aime beaucoup même. Big Win le Gugu ouais, de fou. J'espère bon que tu aimes d'ailleurs. En tout cas le Gullit rouge pour le coup c'est banger. Les gars, il faut vite qu'ils enlèvent les icônes de base, je vous jure, là, ça y est. Ils ne veulent pas donner des grosses cartes, sûrement icônes Centurion dans les choix. Et pourtant, ils ont donné des Messi Totti dans des choix. L'épisode Messi, il est... genre en travers de la gorge. Ouais. Les gars, vous savez quoi? Le R, il a dit au début qu'il est détesté ce Erling Haaland. Maintenant, il a vite tourné la veste. Schneider en rouge, j'adore. Petit extat, comme vous pouvez voir, l'écran est éteint. Les gars, la première, je crois, j'ai... On a vu, les gars, le premier, c'est Pirlo. Désolé. Je suis allé un peu trop vite. Allez, le deuxième icône du coup, c'est 82-79. C'est pas un Hadji ça? Rivaldo, ah, ok. 90 d'endurance, 75 de force, ok. C'est Coman, non? Non. Oh! Et c'est 3 icônes de base. J'espère que tu vas bien réussir ton Black Friday, Reward. Un fan de l'Inter. Ça fait plaisir. Tu penses que. Messi, il a déjà joué à l'Inter? Bah, après Messi, il joue à l'Inter Miami. Oui, mais je sais pas s'il joue à l'Inter Milan. Tu le sens comment contre l'Atlético Madrid, mon ami? Ça sera le match qu'on verra, nous, mardi soir. Là. Ouais. Que PSV Dortmund, on rompiche un peu. Même si ça peut être un match où il y a beaucoup de buts pour le coup. Ouais, je suis même pas sûr. En rivalement. Allez, c'est parti pour le prochain choix. Les gars, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de win là. Bizarrement, les choix qu'on ouvre pas, bizarrement. Allez, bonne chance mon ami. On espère qu'il y a du lourd mon frérot. Oh, belle victoire. Là, tu vois, pour le coup, c'est 50-50. Tu veux t'acheter qui avec 5 millions? Déjà, t'en achètes pas beaucoup des gros joueurs qui peuvent remplacer des joueurs titulaires de ton équipe. Bon courage mon gars. Casillas, je sais même pas ce que ça donne les gars. C'est un milieu de terrain ça. Robert Pires. Deuxième c'est un goal. Oh ouais. Un autre flop de notre part ou... Bien joué pour ton Cannavaro. Oh là 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 là. I love RG. Je reconnais quelqu'un qui va avoir les coups. Il va avoir le script. Il va avoir le script avec lui. Je reconnais quelqu'un qui veut que quand l'arbitre siffle toujours de son côté et là on est en plein dedans. Par contre tes deux DC, Yashin DC et compagnie LDC, ça bosse. Ça bosse. Les choix passent, les défaites restent. Allez. Oh, comme de par hasard. Chiche. Ah, tu dois bien kiffer. En vrai, les gars, Beckham, vous le ferez jouer où, vous? Ah, moi, c'est milieu de terrain. Dans un milieu à 3, on est d'accord. Milieu à 3 direct, ouais. Good luck. Oh. Encore une fois, les gars. Deux victoires back-to-back, mais c'est deux doublons. Bon courage, mon frère. Pouf. Même au mois de novembre, qui touche pas, c'est terrible. C'est une icône Winter Wildcard. Ouf. Ouf. Le deuxième, du coup, on sait qui? Là, c'est Eto'o. Ok. Maintenant le troisième, ok. Dans tous les cas, c'est une grosse victoire, mon frérot Eto'o. C'est Coman ça, non, Gérard. Allez, c'est le dernier? Ouais, bon courage, mon ami. Non, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier? Ouh, le chouchou du V. C'est culotté de sa part, les gars, la question qui est pose devient son nom de club. Très culotté de sa part. Et le dernier, les gars, du jour, bon courage. Ah tiens. Bon les frérots, je vais vous dire honnêtement, ne faites pas. Ne le faites pas, ouais. Après, j'allais te dire, y a aucun SBC où tu peux mettre tes fodders. Dans les, hormis, t'as peut-être Cannavaro ou Baggio. Mais après ça, c'est compliqué hein. C'est sec hein. Le contenu dans les SBC, en fait, il nous faut un Mbappé POTM en fait, j'allais te dire. Il nous faut un SBC où tu vois, on peut mettre nos grosses cartes. Moi les gars, un monde où je fais peut-être que Cannavaro hein. Si je bosse beaucoup les 80 plus, etc. Il y a un monde hein. En tout cas les gars, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et rejoignez-nous les frérots sur Twitch. Demain, je vais commencer à terminer mon fut champion d'ailleurs les frérots. Merci beaucoup les amis.